On se retrouve aux locaux du 102e groupe scout des Laurentides où a lieu l'inauguration de leurs locaux fraîchement rénovés. Au cours des deux dernières années, ils ont sollicité la participation financière de plusieurs entreprises, dont la CCAP, dans le but d'amasser des fonds pour effectuer des travaux de rénovation dans leurs locaux. Ce soir, tous les donateurs ont été conviés à venir assister à une soirée bien spéciale dans le but d'être remerciés. Ce soir, nous avons décidé de faire une cérémonie, dans le fond, pour remercier tous nos partenaires financiers, tous les gens qui ont donné du temps et de l'argent pour nous permettre de réaliser notre projet de rénovation du local scout. En fait, on a eu la chance d'avoir un local scout qui nous a été légué. On a notre local à nous, mais malheureusement, il vieillit. Il y a des travaux qui s'avéraient nécessaires. Puis en tant qu'organisme à but non lucratif, c'est assez difficile d'aller chercher des fonds pour être capable d'exécuter tous les travaux qui étaient rendus nécessaires au fil des années. Qui sont les gens, les acteurs qui vous ont permis de rénover votre beau local? On a eu la Ville de Québec qui nous a permis d'obtenir une subvention en tant qu'organisme non lucratif. Ensuite de ça, on a eu la Caisse populaire des Jardins de Charlebourg qui a contribué, qui nous a donné une somme quand même importante. Ensuite, on a eu le comptoir d'entraide vestimentaire de Notre-Dame-des-Laurentides qui nous a donné des sous. Également, on a eu Belle qui nous a donné des sous. Les Chevaliers de Colombe, qui nous aide aussi, le Chevalier Colomb de Lac-Saint-Charles. On a eu la bijouterie Sablier qui nous a donné des sous. Il y a eu l'hôpital vétérinaire des Laurentides. On a eu CCAP Câble qui nous a également remis des sous en tant qu'organisme. Également, on a eu la chance d'avoir de l'aide financière de certains politiciens. Il y a eu Véronique Tremblay. On a eu ensuite Sylvain Lévesque qui nous a remis des sous. On a Pierre Paulus qui a contribué également l'année passée et cette année. Alors, on a été très privilégié. Grâce à ces différents donateurs et partenaires, quelle somme d'argent est-ce que vous avez été en mesure d'amasser? On a ramassé tout près de 20 000 $ au total en deux ans avec tous ces partenaires financiers-là. De quelle manière est-ce que vous avez investi cette somme d'argent dans votre local? En fait, on a refait faire la toiture à l'extérieur. On a refait faire aussi l'isolation dans le toit, les gouttières. Il y a eu les planchers qui ont été refaits. Il y a eu les appareils de chauffage qui ont été réparés, qui ont été ajoutés. Également, on a été capable d'avoir des thermostats programmables avec des boîtiers pour contrôler les coûts, évidemment. Également la peinture qu'on était capable de payer et de faire nous-mêmes. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous ce soir de souligner la participation des donateurs et de vos commanditaires lors d'une soirée comme celle-ci? Bien, pour moi, c'est important que les gens sachent que chaque sou qui nous a été donné a été dépensé avec parcimonie. C'est important que les gens puissent constater que l'argent est bien géré, que le 102e groupe scout des Laurentides est bien géré. C'est important pour moi de remercier ces gens-là puis de leur permettre de voir, de constater ce qui a été fait grâce à eux également. La mission de notre organisme, en fait, c'est de faire vibrer les jeunes, de leur faire vivre des expériences qui vont les faire grandir. Grandir eux-mêmes, c'est grandir pour eux et grandir aussi dans la société. Ici, au scout, c'est en collaboration qu'on fait les choses. Donc, ça implique qu'on interagit, ça implique qu'on est conscient de l'autre et conscient de soi et de ses limites et de ses défis aussi. Si les jeunes veulent s'inscrire, comment est-ce que c'est possible de le faire? Alors, ils peuvent passer par notre site Internet. Toutes les informations sont là. On a un site Facebook puis on a un site Internet. Là, vraiment quelque chose, un site web. Là. Qu'est-ce qui vous a donné le goût au départ de vous impliquer de cette manière-là? Et ça a commencé il y a 10 ans avec ma fille de 7 ans qui a eu la piqûre d'un ami qui est venu faire une soirée Invite ton ami. Fait qu'elle est venue passer une soirée, elle était emballée. Et là, ben, les camps arrivent. Le camp d'été est arrivé, il n'y avait pas de parents pour aller faire la cuisine. Alors, parents cuistots pour la fin de semaine. Je suis tombée en amour avec ce que c'était. Puis, tranquillement, ben là, je me suis présentée comme animatrice. J'ai fait partie de l'équipe. Puis, bon, on a évolué là-dedans. Combien de groupes est-ce que vous comptez au 102e groupe? Cette année, on est deux. Il y a deux groupes. Il y a les castors et les louveteaux. L'année dernière, on avait trois. On avait des jeunes qui étaient avec nous de 13 à 17 ans, dont j'étais l'animatrice. C'est pour ça que j'ai dit que je viens de lancer l'animation. Cette année, on n'a pas trouvé d'animateur. C'est très difficile de trouver des personnes qui sont prêtes à faire des dons de soi comme ça. Alors, on a dû fermer le groupe, mais on espère le rouvrir l'année prochaine.
Combien de sessions, de camps est-ce que vous comptez chaque année? Comment ça fonctionne? Quand, à partir du moment où tu es inscrit, tu as une rencontre par semaine de septembre à aller jusqu'à juin. Et il y a trois camps par année. Il y a un camp d'automne qui s'en vient pour nos castors. Il y a un camp d'hiver qui se passe en général fin février. Et il y a un camp d'été qui va se passer sur une semaine, cinq jours ordinairement. Lors de ces rencontres hebdomadaires-là, qu'est-ce que vous faites avec vos jeunes? On fait nos apprentissages à travers les jeux. Alors, il y a toujours une partie. Une rencontre dure entre 1h30 et 2h. Fait que la première partie va être consacrée aux jeux. Et dans les jeux, là, on va intégrer, comme je disais, la collaboration, l'entraide, le respect de l'autre, le respect de soi aussi. Puis après ça, en deuxième, là, on va y aller avec plus de la technique ou des valeurs. C'est toujours à travers des activités qu'on intègre nos techniques. Qu'est-ce qui fait d'un animateur du 102e groupe Scout des Laurentides un bon animateur? Être motivé et motivant. Quand je rentre dans le local et que je vois mes animateurs avec des étoiles dans les yeux, « Hey, tu sais pas ce que lui m'a dit, tu sais pas... » Ça me fait vibrer. Qui vous a approché et parlé du projet? C'est Martine Fortier, qui est ici, là, une des gestionnaires. J'ai animé pendant plusieurs années ici. Mes enfants ont fréquenté le 102e. Donc, elle m'a approché pour, en premier lieu, faire une soumission. Donc, avec cette soumission-là, elle est allée chercher un financement. Ensuite, on a exécuté les travaux. En tant qu'ex-animateur du 102e groupe, pourquoi est-ce que c'était important pour vous de vous impliquer de cette manière-là? Je trouvais que c'était important là, de redonner aux jeunes encore là, de cette manière-là. Puis c'est des bons souvenirs que les enfants ont eus. Étant moi-même un ancien scout aussi, là, c'est quelque chose qui a toujours été important pour moi là, de donner ça aux jeunes. Pourquoi est-ce que c'est important justement de participer et de faire partie de des groupes comme celui-ci quand on est jeune? Je trouve que c'est des belles valeurs là, qui sont inculquées à nos jeunes. Là. Ça leur permet là, de vivre de toutes sortes de belles expériences, de les amener à cheminer, à développer l'autonomie. Je trouve que c'est vraiment une belle expérience pour les enfants. Qu'est-ce que tu aimes le plus du fait d'être un scout? De pouvoir travailler toujours en équipe avec les mêmes personnes sur différents contextes. Qu'est-ce que tu as le plus appris avec eux? Bien, que c'est important la persévérance, puis qu'on n'est pas là pour se comparer aux autres, puis on est vraiment là pour s'amuser. Quelle est la qualité primordiale pour être une bonne scout? Penser aux autres, puis être respectueux. Des fois, on fait des activités spéciales, des fois, on fait des activités comme tag ou traverse couleur. De quelle manière est-ce que tu lancerais l'invitation aux jeunes qui ne connaissent pas les scouts? Bien, dans le fond, je leur dirais de venir s'amuser avec nous parce que bien, c'est plaisant puis c'est amusant, là, on a du fun. Je leur dirais que c'est vraiment bien qu'ils font beaucoup des blagues parce que mes amis aiment beaucoup les blagues. Moi, j'y vais déjà, ça fait 3 ans et j'ai pas eu l'idée de ne plus y aller. Grâce aux divers partenaires financiers, le 102e groupe Scout des Laurentides a été en mesure d'amasser 20 000 $ argent qui sera utilisé pour effectuer des travaux de rénovation dans leur local. Pour plus d'informations sur le 102e groupe Scout des Laurentides ou encore pour inscrire votre enfant, rendez-vous sur leur site Internet. La population de Tewksbury a été invitée aujourd'hui à venir participer à une activité ludique du côté de la chapelle. L'événement est organisé par l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury. L'atelier est animé par Mme Sylvie Laberge, naturaliste, qui vient nous faire découvrir le monde fascinant des champignons sauvages qu'on est en mesure de retrouver directement sur notre territoire. Madame Richardson, pourquoi est-ce que c'est important pour l'Association des citoyens et des citoyennes de Tewksbury d'organiser des activités qui sont ludiques pour vos citoyens? D'abord, pour retisser le tissu social, pour tisser les liens entre les gens, créer des occasions aussi pour que les gens se réunissent, qu'on apprenne quelque chose ensemble ou qu'on partage les choses qu'on connaît, vraiment avoir des occasions de se rencontrer. Quel est l'objectif des samedis à la chapelle? Samedi à la chapelle, c'est un peu devenu un concept là, que de créer une occasion peut-être à peu près une fois par mois qu'on se réunisse puis qu'on fait quelque chose de soit ludique ou éducatif. Ça peut être un atelier sur quelque chose, ça peut être une projection de film, ça dépend à chaque fois.
Les samedis à la chapelle sont offerts depuis quand même quelques années. Est-ce que vous avez à venir jusqu'à maintenant une bonne réponse de la population de Tewksbury? Oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et en plus, comme vous avez peut-être vu aujourd'hui, en plus, on a des gens de l'extérieur un petit peu, Stoneham, Lac Beauport. Il y a des fois des amis d'amis de Tewksbury. Fait que je pense qu'on a vraiment une bonne réponse. On a, en général, entre 20 et 40 personnes. Tewksbury, c'est une ville qui est assez éloignée du noyau de la ville de Stoneham. Alors, vous n'avez pas de dépanneur, vous n'avez pas de centre communautaire. Qu'est-ce que la chapelle de Tewksbury représente pour les citoyens? Bien, maintenant, elle a été désacralisée il y a quelques années. Donc, c'est devenu vraiment un lieu de rencontre. Ça l'était déjà pour les gens qui assistaient à la messe, mais c'est pas tout le monde qui allait à la messe. Donc, c'est vraiment devenu presque le cœur du village, le centre communautaire, sans que ce soit ça officiellement. Mais c'est notre lieu de rencontre. Madame Richardson, quel est le mandat que se donne l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury? Le mandat est vraiment de représenter les citoyens de Tewksbury auprès du reste de la municipalité, aussi de faire des partenariats avec la municipalité et avec d'autres organismes. Elle peut aussi chercher des subventions pour des projets spécifiques. C'est sûr qu'on a des dossiers sur lesquels on travaille un peu tout le temps. On a différents comités qui travaillent auprès de l'association. Selon vous, qu'est-ce qui fait de l'ACCT un succès pour ses citoyens? Bien, je pense que c'est des années d'implication bénévole. Il y a eu plusieurs présidents au fil des années, vraiment des gens qui se sont impliqués énormément, des gens qui ont appris beaucoup, qui en savaient déjà beaucoup aussi, qui avaient beaucoup de connaissances. Moi, je pense que c'est beaucoup ça. Puis je pense aussi l'attitude de trouver des solutions positives à des défis qu'on rencontre dans notre milieu de vie. Combien de bénévoles et de membres de la CCT comptez-vous? Les membres, je le sais pas. Je dirais peut-être une centaine, mais il faudrait vérifier ce chiffre-là. Je suis vraiment pas sûre. Des bénévoles actuellement, on doit être certainement une vingtaine et plus. Si j'ajoutais les gens qui s'impliquent de façon ponctuelle, là, c'est bien plus que ça. Fait que c'est des gens, c'est toutes sortes de monde, de 40 peut-être, mais on est juste 300 quelques ici, là. On est une très petite communauté. Madame Laberge, vous animez aujourd'hui du côté de la chapelle de Tewksbury une activité bien spéciale sur les champignons sauvages de saison. Parlez-nous un peu de ce que vous allez présenter aux gens. Alors, ben en fait, ce que je veux faire, c'est démystifier les champignons, essayer d'enlever des mythes, de dire ce qui est réellement les champignons, ce qu'ils font dans la vie. Parce qu'il n'y a pas que les champignons comestibles, il y a tellement d'autres, c'est tellement vaste. Puis c'est un peu ça que je veux faire aujourd'hui, démystifier. Pour vous, la forêt, c'est pas simplement les arbres, c'est comme un grand jardin naturel. D'où vous vient cette passion-là? Ah, je vous dirais facile, réponse facile, de ma mère, qui a eu toute sa vie l'envie de nous montrer, à nous, ses enfants, qu'est-ce qui poussait, pourquoi ça poussait, pourquoi c'était important d'avoir du respect pour la nature. Et moi, je l'ai suivi partout, tout le temps, et j'ai adoré ça, et ça coule dans mes veines. C'est tout simplement ça, c'est une passion, j'adore ça. C'était pas la première fois que vous présentiez une conférence du genre. Comment est-ce que vous avez trouvé la réponse des gens de la région? Super bonne! Il y a des gros publics, il y a des petits publics, il y a des bons publics, il y a des mauvais... Non, je dirais pas qu'il y a des mauvais publics, mais il y a des gens qui vont participer vraiment. Je trouve qu'aujourd'hui, vraiment, il y a eu beaucoup de questions, des questions pertinentes, et ça, c'est toujours intéressant, ça rajoute. Et quand je le sais pas, moi, c'est juste une occasion pour moi d'aller chercher un peu plus, d'aller fouiller, puis d'en apprendre plus aussi. En tant que naturaliste et passionnée de la nature, de quelle manière est-ce que vous parvenez à partager votre passion avec les autres? Comme ça, entre autres, mais surtout en étant moi-même, puis en enlevant le caractère dramatique à la forêt. Mais non, la forêt, c'est tellement pas dangereux quand on la connaît. Et la connaissance, bien, ça vient par l'expérience. Et si on veut expérimenter la forêt, il faut y aller. Voilà, c'est un tout. La forêt, c'est un monde fascinant. Est-ce que vous offrez des conférences, des rencontres dans le but de faire connaître ce monde fascinant aux gens? Oui, en fait, mon activité principale, c'est je fais des bains de forêt. Donc, à Lac Beauport, c'est là où j'habite, j'emmène des touristes, vraiment, des touristes à travers le monde qui viennent visiter la région. Je les emmène dans la forêt puis je leur montre
c'est quoi la forêt québécoise, qu'est-ce qui vit ici, de quelle manière ça pousse, etc. L'observation, pour moi, c'est juste la plus belle activité. Et si je peux inculquer ça un peu, puis rendre la forêt plus accueillante aux gens, juste par sa beauté puis par son immense diversité, tant mieux. Est-ce que c'est important pour vous de vous impliquer de cette manière dans votre coin de pays, si on peut le dire comme ça? Bien, pour moi, ça va de soi. Là, c'est comme un incontournable de connaître les gens avec qui on vit autour de soi et puis de partager certaines choses ensemble. Quelle importance est-ce que vous accordez justement à des activités pour les citoyens comme celle qui a eu lieu aujourd'hui? Bien, je trouve ça particulièrement important à Tewksbury parce que on se sent un petit peu isolé du village. Et puis, c'est comme si on était une petite île. Donc, on a besoin de se retrouver entre voisins et de partager des activités ensemble. La société fête cette année son 20e anniversaire. Selon vous, qu'est-ce qui fait de l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury un succès? Bien, je pense que le succès est grandissant parce que de plus en plus de gens s'impliquent. Et c'est ça qui fait qu'on a envie de continuer. Je trouve que c'est merveilleux de voir que ça répond à un besoin. Encore une fois aujourd'hui, l'événement organisé par l'Association des citoyens et citoyennes de Tewksbury a été fort apprécié de toute la population. Le prochain événement organisé par l'ACCT aura lieu le 16 novembre prochain. Pour tous les détails, on vous invite à visiter leur site Internet. C'est ici, au Mont-Tourbillon, qu'un projet immobilier pourrait voir le jour. D'ailleurs, ce soir, à la salle Philippe Laroche, la municipalité va présenter le projet et recueillir les commentaires des citoyens. Il y a un regroupement qui s'y oppose fortement. Nous avons rencontré celui qui est à la tête de ce groupe qui s'y oppose et aussi le maire Beaulieu, question de parler de ce projet immobilier. Aujourd'hui, on vous rencontre puisque vous recevez les citoyens de l'Agroport pour présenter un projet immobilier de condo au Mont-Tourbillon. Un projet qui, déjà avant même la présentation, fait énormément jaser. Selon vous, pourquoi et comment ce projet-là est positif pour votre municipalité? C'est la seule façon d'une municipalité d'avoir des revenus. En fait, la grande majorité des revenus proviennent de l'assiette fiscale taxe foncière, qu'on appelle. Donc, on a besoin de projets. Actuellement, à l'Agroport, on a zéro projet sur la table et on a un projet qui a été déposé par un promoteur qu'on a analysé et qu'on pense qu'il mérite d'être présenté à la population parce qu'il pourrait avoir un certain sens au point de vue de l'aménagement de notre territoire. Qu'est-ce qui pourrait y avoir comme répercussions négatives selon vous, puis comment la municipalité peut y contrer? Par exemple, si on parle du trafic ou encore de l'eau? Bien, écoutez, l'eau est un enjeu majeur. Je pense que les citoyens en 2018 avaient clairement exprimé leur problématiques reliées à l'eau. Et c'est exactement précisément ce qu'on a dit qu'on ne ferait pas, c'est-à-dire permettre un projet qui serait sur puits artésiens. Donc, ce projet-là devra obligatoirement être lié à un réseau d'aqueduc municipal. Donc, l'enjeu de l'eau ne serait plus un enjeu prioritaire maintenant, puisqu'il devra nécessairement obtenir l'aval du ministère de l'Environnement avec un certificat d'autorisation, un CA, comme on dit. Donc, pas de CA, pas de projet en matière d'eau. Pour ce qui est des points positifs, selon vous, vous l'avez dit, ça va amener des revenus. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Croyez-vous que ça va permettre de faire voir Lac-Beauport davantage, d'amener d'autres types de clientèle? Bien, comme on n'a pas beaucoup de projets actuellement à Lac-Beauport, je pense que ça va permettre une offre d'habitation différente. J'ai réalisé en campagne électorale que certaines personnes plus âgées étaient en voie de réfléchir à leur avenir. Est-ce qu'ils vont être capables d'entretenir leur grosse maison dans le futur et que l'avenue d'un projet comme celui-là pourrait être bénéfique pour les jeunes retraités ou les retraités actifs à Lac-Beauport. Donc, pour nous, oui, c'est une offre complémentaire. On a énormément entendu parler de citoyens qui déjà s'opposent au projet. Comment vous pensez pouvoir leur répondre ce soir? Comment vous croyez que cette consultation va peut-être les rassurer? Bien, on a écouté ce qu'ils nous ont dit en 2018 lorsqu'on avait déposé un projet similaire, mais quand même différent. On pense ce soir, on répond aux attentes des citoyens. On a pris en note ce qu'ils étaient en désaccord ou mécontents. Et on pense que ce soir, on vient combler un peu tous ces points négatifs-là avec un projet revu et corrigé qui fera au moins preuve d'ouverture.
On va pouvoir trouver toutes les grandes lignes du projet directement sur le site de la municipalité de Lac-Beauport? Oui, dès demain, la présentation sera sur le site web de la municipalité. Et j'espère que nous allons avoir une belle rencontre ce soir. Est-ce que suite à cette consultation, vous allez être disponible si jamais il y a d'autres personnes qui ont des interrogations par rapport à ce projet-là? Bien, la municipalité est toujours là. On peut appeler à la municipalité si on a des questions, évidemment. Et ça nous fera plaisir là, de regarder le tout. Mais disons que ce soir est la soirée phare là, du projet pour avoir un peu le pouls de la population. Ce qui nous dérange énormément, c'est qu'on veut s'attaquer à un milieu qui est très fragile. C'est un milieu qui est fragile au point de vue environnemental. On a une nappe phréatique qui est à peu près inexistante par rapport à la quantité de résidences qu'on veut mettre là. Il y a un rapport qui a longtemps été entre les mains de la ville et c'est un des éléments qui a fait dérailler le projet l'an dernier. Qu'est-ce qui va arriver avec les eaux usées? On est au sommet d'un bassin versant. C'est un bassin versant qui communique avec les affluents du lac Saint-Charles, prise d'eau de la ville de Québec. Donc, c'est pas seulement les habitants de Lac-Beauport qui sont interpellés par ce projet-là, c'est toute la région. Et si on a des solutions ou encore des choses concrètes qui vous rassurent, est-ce que vous pensez que c'est un projet qui pourrait aller de l'avant ou encore vous vous y opposez pour d'autres raisons? Bien, on n'est pas là. On veut pas s'opposer pour s'opposer. Ça, c'est en partant, ça, c'est clair. Cependant, quand on regarde l'ampleur du projet, on parle, dans le règlement de la ville, à peu près 90 unités. Le promoteur parle d'environ 100 unités. Imaginez une rue de 100 maisons. C'est une rue qui est quand même assez longue. Alors, mettez ça dans un milieu fragile, dans un milieu qui est tout à fait inapproprié pour ce genre de concentration-là. C'est un projet qui ne peut pas tenir la route, à notre avis. On est dans un milieu où est-ce que la qualité de l'environnement est primordiale. Alors, pourquoi s'attaquer à cette qualité d'environnement-là? Est-ce que vous voyez quand même des avantages à laisser place à un projet immobilier, peu importe où ce serait à Lac-Beauport? La fin de votre question est intéressante, parce que le périmètre urbain de Lac-Beauport est encore très grand ouvert. Donc, il y a de la place pour du développement à Lac-Beauport. Première chose. Deuxième chose, le développement immobilier comme moteur de l'économie, c'est un modèle de développement municipal qui date de plusieurs années. On est rendu ailleurs. Il y a d'autres manières de faire du développement municipal qui se prêtent beaucoup mieux, surtout dans un milieu comme le nôtre, qui pourrait être mis de l'avant avec une qualité de vie qu'on pourrait maintenir, ce qui n'est pas le cas maintenant. Croyez-vous qu'il va y avoir des répercussions sur le trafic? On sait que c'est une rue. Pensez-vous qu'on va réaménager le tout? Je vois pas comment on peut réaménager, d'une part, parce que c'est une rue sinueuse à flanc de montagne. Alors, l'espace pour le faire est à peu près inexistant. C'est bien sûr que ça va augmenter la circulation automobile. 100 unités, mettons une voiture et demie par unité, pas tout le monde qui aura deux voitures, bien, c'est 150 voitures le matin, 150 voitures le soir dans ces petites rues-là. Pour sortir de Lac-Beauport, c'est le chemin du Tour du Lac. Il y a un moyen. Au nord ou au sud, mais il y a un moyen. Alors, vous voyez la congestion que ça peut amener. Croyez-vous peut-être sortir avec des réponses qui vont vous rassurer au cours des prochaines heures? Écoutez, le projet, c'est une chose. Mais ce soir, la raison de la réunion, c'est d'abord et avant tout une consultation publique sur des amendements réglementaires. On va nous parler du projet. Mais la Ville veut passer des amendements réglementaires parce que la loi ne permet pas, la loi municipale ne permet pas de faire ce projet-là à l'heure actuelle. Or, la manière dont le maire Beaulieu veut procéder à ces amendements-là, ce sont des amendements qui sont encore plus inquiétants dans la procédure que tout ce que je pourrais imaginer. On veut refuser aux citoyens le droit sacré à une consultation par référendum. Et quand on regarde tout ce qui touche les lois municipales, le cadre général est à l'effet qu'on consulte les citoyens. La non-consultation est une exception qui s'applique dans des cas extrêmement, extrêmement rares. Et le cas qui nous occupe ce soir n'est pas un de ces cas extrêmement rares. Ça m'inquiète d'autant plus pour la santé démocratique de Lac-Beauport. Dans votre regroupement présentement, il y a combien de personnes qui s'opposent au projet? Nous sommes plusieurs. L'an dernier, il y avait une pétition d'au-dessus de 200 noms qui a été déposée au conseil municipal. Cette année, on a repris le bâton de pèlerin et on s'aperçoit qu'il y a encore plus de gens qui sont contre le projet. Nous avons aussi beaucoup plus de gens qui nous contactent pour prendre de l'information. Nous avons aussi beaucoup plus de gens qui ont donné via la levée de fonds que nous avons faite. Et on a une réponse meilleure cette année que celle qu'on a eue l'an dernier. Alors, toutes ces raisons-là me font croire que l'inacceptabilité sociale, qui était très présente l'an dernier, est accrue cette année.
Vous avez pu entendre les deux parties se prononcer concernant le projet de construction de condos au Mont-Tourbillon. On vous invite à vous rendre sur le site de la municipalité de Lac-Beauport. Question de trouver une tonne de documents et d'informations concernant ce projet. N'hésitez surtout pas à suivre le regroupement de citoyens de Lac-Beauport pour voir leurs points et connaître toutes les raisons qui font en sorte qu'ils s'opposent au projet. Pour encore plus de reportages ou découvrir la programmation de ccap.tv, suivez-nous via notre page Facebook, notre chaîne YouTube ou visitez le www.ccap.tv. Pour les abonnés de la CCAP, vous pourrez retrouver le contenu via le service de vidéo sur demande ou bien sur la plateforme CCAP Go. Vous désirez nous soumettre une idée de reportage? En plus de communiquer avec nous via nos différentes plateformes, vous pouvez aussi nous transmettre les informations à l'adresse info@commercialccap.tv. Toute l'équipe de Vue d'ici vous souhaite une bonne semaine.